Monsieur le secrétaire général, est-ce que vous pensez que les gouvernements étaient responsables directement de l'envoi de ces mercenaires? Nous venons de désigner une commission d'enquête. C'est à cette commission d'enquête d'établir si le gouvernement était, oui ou non, responsable des activités de ces mercenaires. Si je le savais, ce ne serait pas nécessaire d'établir une commission d'enquête. Oui. De toute façon, est-ce que vous pensez que les mesures qui ont été prises ces jours derniers par votre commission spéciale stopperont définitivement l'entrée des mercenaires en Afrique? Cela dépend exclusivement de la coopération que nous allons recevoir des États européens. Notre ferme espoir est de recevoir la coopération pleine et entière des États européens dans leur intérêt comme dans le nôtre. Mais je peux vous dire, quoi qu'il en soit, que même si nous ne recevions pas le concours, l'assistance et la coopération des États européens, nous sommes décidés à nous débarrasser définitivement du problème des mercenaires. Au cours d'une conférence de presse, M. Diallo-Telli devait nous présenter un citoyen belge, Henri Moss, qui avait fui Bukavu en compagnie des mercenaires. Ont été détenus à Kigali, comme vous le savez. Le troisième est ici. Je ne l'ai pas vu depuis mon arrivée. Il est à côté. Voulez-vous l'introduire? Venez ici. Vous n'êtes plus en tenue de mercenaire, cher ami. On m'a aidé à cela. Oui, venez, venez. Venez par là. Non, restez debout là. Dites, monsieur Moss, depuis combien d'années vous êtes au Congo? Il y a aujourd'hui 19 ans que j'ai débarqué à Matadi. Et un mois après, je suis arrivé dans ma plantation au Kivu. Monsieur Moss, qui vous a forcé à venir à Congo-Kinshasa? Personne ne m'a forcé. On m'a dit que j'étais libre de rester au Congo, mais qu'on désirait m'interroger à Kinshasa. Je ne sais pas au sujet de quoi, ça ne me regarde pas. Et comment avez-vous été traité depuis que vous êtes à Congo-Kinshasa? Beaucoup trop bien. J'ai encore insisté ce matin auprès de votre délégué pour dire que je n'avais jamais rien demandé. Que si on m'a offert des choses plus que ce que je croyais, je les ai prises parce qu'on les offrait. Je n'ai jamais rien demandé. Comment vous pouvez comparer votre sort actuellement et votre sort d'hier quand vous étiez mercenaire? Au camp des mercenaires. Ah, au camp des mercenaires, oui. Oui, ça, évidemment. Il est peut-être inutile de répondre. Asseyez-vous là. Oui, oui. Ça va bien? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que je vous avais promis? Vous m'aviez promis des protections au nom de l'OUA. Alors, vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Je l'ai. Hein? Je l'ai. Alors, Excellence, donnez-moi la main parce que je ne serai pas. Donnez-moi la main. Monsieur Moss repartira demain pour Bukavu.